Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto pour vous montrer comment faire ce petit pingouin. Donc vous aurez juste besoin de ces quatre couleurs de pâte. La couleur du corps, c'est vous qui voyez la couleur des pattes. Enfin, des pattes, des palmes. C'est vraiment vous qui voyez comment vous les faire. Et vous aurez aussi besoin d'une lame, enfin d'un objet coupant. Donc on va faire le corps du petit pingouin. Donc vous faites tout simplement un boudin. Et ensuite vous l'aplatissez, enfin sur une surface plate, vous aplatissez le bas. Et vous affinez un petit peu le haut, là où il y aura la tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous prenez la fimo blanche, vous l'aplatissez. Donc, il ne faut pas qu'elle soit toute ronde. Vous faites en sorte qu'elle soit un petit peu plus allongée et un tout petit peu plus fine au-dessus. Mais vraiment un tout petit peu. Et ensuite, vous allez la mettre sur le pingouin. Comme ceci. Ensuite, on va faire les petits bras et ensuite on va faire les petits pieds, donc les palmes, c'est vous qui voyez. Donc pour les bras, ça va ressembler à ça. Enfin, les bras, les pattes, enfin c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez dire ça. On va plutôt dire les nageoires vu que c'est un pingouin. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Avec votre doigt et votre index, vous appuyez comme ça. Et avec votre pouce, vous venez aussi pousser. Et ensuite, ça vous donne un triangle genre vachement épais. Et ensuite, vous l'aplatissez. Voilà, donc ça vous donne ça. Et vous le mettez sur un côté du pingouin, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais juste mettre son petit bec. Donc c'est juste une petite boule de mandarine. Voilà, donc un tout petit bec, comme ça. Ensuite, pour faire les palmes, c'est exactement pareil que pour faire les nageoires. Donc vous les mettez toutes les deux à côté, comme ça. Et ensuite, vous allez appuyer pour... Enfin, vous mettez par-dessus votre pingouin. Donc, il ressemble à ça pour l'instant. Voilà. Donc, il a ses petites palmes, ses petits bras et son petit nez. Et maintenant, on va lui mettre des yeux. Donc, je fais toujours un petit boudin comme ça. Et ensuite, je prends un tout petit peu de pâte. J'en ai vraiment pris pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, je vais faire une boule. Et je vais juste le poser comme ça au-dessus du nez. Et je vais faire pareil. Donc je vais essayer de prendre la même quantité de pâte pour l'autre œil. Donc je refais une boule. Voilà, comme ça. Et je vais mettre à côté de l'œil. Voilà. Donc ça, on enlève. Et donc ça ressemble à ça pour l'instant, donc vous appuyez un tout petit peu sur ses yeux. Et voilà votre petit pingouin. Voilà, donc c'est super mignon. Donc vous voyez par rapport à celui-là, là je lui avais fait des gros yeux et un nez beaucoup plus pointu. Là il est plus petit. Et voilà. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !